En plus, l'expérience, il a, parce que ça fait un moment qu'il est là, qu'il enchaîne les matchs. Le mois dernier, évidemment, il était dans une situation où il avait très peu joué au PSG et il n'avait pas commencé son aventure avec la Juventus. Depuis, il a enchaîné tous les matchs et en étant très performant. Donc, Blaise reste Blaise avec les qualités qu'on lui connaît, que vous lui connaissez aussi, et un joueur qui a, oui, qui a un vécu sur le plan international et des habitudes avec l'équipe de France.